Eh bien, nous revoilà pour cette séance 2. Alors, le déroulement de la séance d'aujourd'hui. Un complexe épaule que je vais vous montrer parce qu'il va falloir enchaîner plusieurs exercices. Donc, je vais vous montrer toute la séquence et puis après, on la fera avec mes coéquipiers. Et ensuite, on aura toute une espèce de pyramide, en fait, au niveau des membres inférieurs. Donc je vais commencer par vous montrer ce complexe épaule. Donc il va falloir un tapis hein, évidemment ou une serviette comme pour la première séance. Vous allez vous mettre sur le ventre. Donc je vais vous montrer, en fait je vais enchaîner les exercices, hein, je ne vais pas rester sur un nombre de répétitions bien défini, hein, je vais faire quelques mouvements histoire que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Je vais même vous montrer assis les premiers mouvements. Donc là, imaginez que je suis sur le ventre et le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle un I. Ici, c'est un mouvement d'épaule. Je vous le montrerai au sol ensuite. Et voilà, position de I. Ensuite, de Y. Ok, toujours un mouvement d'épaule. Ensuite, en T. Et ensuite en M. Ok ? Et je vous montre au sol ce que ça va donner. Donc ici, en I. Ok ? C'est un mouvement d'épaule. Il ne faut pas faire ceci. D'accord ? Qui n'a rien à voir. Ok ? Ensuite, Y. En T. Et en M. On va faire 10 répétitions par mouvement. Et ensuite, on va rester 10 secondes statiques en M, 10 secondes statiques en T, en Y et en I. C'est pas fini. On fera ce mouvement-là qui est le nageur ici. On viendra ramener les bras le long du corps. Et revenir ici. Ok ? On finira ce complexe par un exercice abdominal que je vous montrerai ensuite. On y va ? On est parti ? C'est parti. C'est bon pour vous, messieurs. Donc je vais compter de façon à ce qu'on puisse rythmer ensemble ces exercices. Donc les bras bien tendus, les pieds vont rester surtout au sol. Ok, on regarde toujours le tapis et vraiment un mouvement d'épaule. C'est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondes statiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne avec le nageur. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on finit cette série avec un exercice abdominal. Je vous montre plusieurs façons de le faire. Version facile. Ici, en alternant voilà, les jambes. Version intermédiaire, en équilibre sur les fesses avec les jambes fléchies. Et version un petit peu plus difficile, les jambes tendues. Ok, on va tenir cette posture 20 secondes. Je mets mon chrono, comme ça on va être réglo. C'est bon pour vous, messieurs? Donc vous choisissez la posture qui vous convient et on est parti pour 20 secondes. Ok. Voilà pour ce complexe. On fait une série. Moi, je vous conseille, hein, pour les gens un petit peu plus confirmés, jusqu'à 3 séries, c'est bien. Hein, vous prenez une petite pause entre chaque complexe de 20 à 30 secondes et vous repartez. Ok. On attaque sur nos jambes. Et on va partir sur 10 squats. Donc les jambes sont écartées un petit légèrement plus large que le bassin, les pointes de pied toujours vers les extérieurs, hein, pour donner l'orientation des genoux. Hein, ça évite d'avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. On est parti pour 10. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 9 et 10. On enchaîne avec des fentes avant. Donc je rappelle, pour la fente avant, on avance son pied, on fléchit les deux jambes en même temps, on garde le buste bien droit. Il faut que le genou soit ras du sol. Et on revient à la position initiale. On en fait 10 d'un côté et ensuite 10 de l'autre. C'est bon pour vous ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on va servir nos tapis pour faire un saut de grenouille. Alors le saut de grenouille, sur le côté du tapis, on fait un squat, on emmène bien ses bras vers l'arrière pour prendre de l'élan, on saute, on se retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Pour ceux qui ne veulent pas sauter, vous faites votre squat, un pas en avant, vous tournez, vous refaites un squat. Et vous changez de jambe pour passer de l'autre côté de votre tapis. Si ça ne vous convient pas, vous prenez une chaise,
que vous collez bien le long d'un mur et vous faites démonter sur la chaise. Alors 10 d'un côté, on vient en extension, et ensuite 10 de l'autre. Ok ? Donc comme ça vous choisissez un peu ce qui vous convient. Ok ? Messieurs, on est parti pour les sauts de grenouilles. C'est parti. C'est bon pour vous les sauts de grenouilles ? Allez, c'est parti. Essayez d'y mettre de l'énergie, de l'intensité. Essayez d'aller le plus loin possible. Hein? Donc là, on fait un travail, ce qu'on appelle pliométrique, au niveau des jambes. C'est pour gagner en explosivité. Ensuite, fente sautée. Ok, 10 répétitions. Donc on part en position de fente. Et en inverse. Ok ? Toujours essayer de rester le buste le plus droit possible. C'est bon ? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend notre chaise. Alors là aussi, je vous conseille de mettre la chaise le long d'un mur. À nous ici, ça va, ça glisse pas trop, mais ça évite que la chaise elle s'en aille. On va faire des fentes bulgares. Alors, il faut mettre son pied arrière sur la chaise. Et ensuite, comme une fente, descendre le plus droit possible. Ok, ici. Et on remonte en extension. Si c'est trop difficile, vous continuez sur les fentes normales. Si vous perdez assez régulièrement l'équilibre, vous mettez une chaise à côté. Je vais prendre la chaise à Malik. Voilà, vous la mettez sur le côté. Et comme ça, ça vous permet de vous maintenir. Ok ? Et en même temps, ça vous aidera à remonter. Ok ? C'est bon pour 10 ? Allez. Donc là, on va faire chemin inverse. Donc on va repartir sur nos fentes sautées. Ok, donc toujours 10 répétitions. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prenez un rythme, ça ne sert à rien d'aller vite. Vaut mieux bien faire.
que d'essayer d'aller vite et puis en fait ce soit n'importe quoi. Lanceau de grenouille. Parti. Donc 10. Côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors vous avez vu Malik, il est resté en fait dans cette position. Et descendu et monté. Bon, c'est possible. À part que ça vous enlève un travail abdominal. C'est-à-dire que ici, quand je ramène mon pied ici en arrière, je donne une impulsion et je fais travailler mes abdos. Donc c'est pas négligeable. On fait des abdos en faisant des fentes. Ok ? Allez, de l'autre côté. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on finit par nos squats. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Voilà pour cette séance. Alors, pour ce travail sur les membres inférieurs, restez sur 10 si vous pouvez. Et par contre, augmentez le nombre de séries. Pour les plus sportifs, peut-être 5, 6 séries. Vous allez voir que ça va bien piquer les cuisses. Puis au niveau cardio, ça pulse bien aussi. Ok ? À la prochaine séance.